Voilà, tous les téléspectateurs et téléspectatrices en zin la canusio. N'a dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tout le temps. Vous faites pour nous en débattant pour nous capables de nouvelles. Café actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde. Ou sous channel PIA, channel information, channel Maman Pemba qui c'est zin la canusio. Avec Tifo Grand Frère ou Tcheko Pepla. Et nous là pour nous porter information café actualité. Yon parle l'autre temps, gagne nouvelle là tout bon par dans quatre coins le monde entier. Côté nouveau premier ministre là, lui-même, qui c'est Claude Joseph, lui-même, qui était bas, une conférence de presse en juin jeudi à côté reporter nous. T'es présent dans conférence à côté premier ministre et Claude Joseph, t'es bas, juin jeudi à côté. Nous parlons tout sous petit écran, Zé la Kanyouza à côté. Et Claude lui-même, il t'a bail en pile, il t'a parlé en pile, l'autre cause, en pile, gros cause, côté ou même ou t'as deux connaît, toute femme ou t'as deux connaît, information, ça n'a pas de s'il vous plaît, partagez, like, abonnez, même qui a peine arrivé sous channel pour là. Merci avec tout le monde qui toujours partage, toujours like. Vin entrer dans la grande famille, ça qui c'est Zé la Kanyouza. Merci avec tout le monde net, en faire ensemble pour travailler capable de continuer à marcher ferme fort. Bouy chargé par campé, grand monde pas joué, n'a pas entré dans fondamental information, zami téléspectateurs. Côté premier ministre, Claude Joseph, excusez-moi, Claude Joseph, lui-même, qui était baillon conférence pour la presse, je vous dis à côté, et reporter, nous t'es présent dans la conférence, ça, eh bien, nous parlons fort vivre sous petit écran, Zé la Kanyouza, rapidement, bouy chargé par campé, on a suivre ensemble. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais d'abord dire merci parce que nous faisons un déplacement en masse pour nous venir dans cette causerie ça parce que ça fait déjà 3 semaines dans la tête et primature là. Mais nous n'avons jamais gagné l'opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné une impatience parce que je recevoir plusieurs invitations. Je ne vais pas répondre une après l'autre parce que je connais gagné un pile membre de la presse parler, écrite, télévisée et en ligne, qui t'a souhaité gagner une exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui t'a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, je dis à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que Premier ministre Joseph Jout et bail démission pour convenance personnelle. Président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, président choisit. Pour moi, diriger comme Premier ministre AI, et c'est un souci pour envoyer un signal clair par les acteurs politiques pour dire, écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif, mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec les protagonistes pour aboutir avec un gouvernement d'union nationale dans tête libre pour le premier ministre définitif. Donc, les dio, écoutez, printemps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement ça. Donc, c'est-à-dire que moi-même qui l'a, comme premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui pourra le venir avec un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers qui sont chers et à président, mais particulièrement qui sont importants pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement pour 7 février 2022, qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, quittez-moi expliquer rapidement que moi, j'ai une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, ben moi, comme feuille de route pour moi, travailler sur lui. C'est ça que fait. Depuis moi, monté comme premier ministre pour un petit bout de temps, moi, organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans
nous sommes capables de dire youn qui sont CSPN élargi avec secteur privé à qui gagne un pile monde là-dedans qui concerné par question insécurité. Donc gagne un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagne un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consenti. Après le premier CSPN là quoi un pile monde là était capable constater moins prend la rue moins déplacé à dans différents commissariats, moins visité unité spécialisée dans PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars moral policier était en BN. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacé, visité différents checkpoints dans Assoué, certainement avec au état-major la police. Encore une autre fois, c'était montrer policiers yo dans qui niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble pour nous capables de résoudre problème insécurité. Donc pour l'autre nous ta capable dit décision qui prend nous connaît par exemple nous t'ai posé conteneur Martissan nous t'ai visité bon je dis ça tout à l'heure et gain n'a travaillé pour nous augmenter budget et police nationale là gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH mais également au niveau du ministère et de l'intérieur et gain un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme premier ministre pour un petit bout de temps parce que je dis à les fondamentales et nous connaissons kidnapping là les gain dimension criminalité c'est ça que fait et PNH là, li pas dormi. Qui te félicite rapidement opération qui fait hier soir là par différentes unités dans PNH là pour laguer deux monde qui kidnappé. Donc je dis à li fondamental, li important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pas dormi. C'est vrai gagner insatisfaction et n'a travail effectivement pour nous adresser préoccupations yo qui en pile préoccupation c'est des préoccupations légitimes par rapport à question insécurité ya. Mais je dis a gagner en synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à pratique commune yo, chaque fois qu'on kidnapping eh ben nous choisi par exemple barrer route etc., moi pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, faut nous relier dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il n'y a pas résoudre le problème. Non. Au contraire, nous fait tort à la population, mais nous fait tort tout à mon kidnappé. Donc, je dis à, et moi, ben nous garantis, gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser le kidnapping là. Attaquer bandits dans le dernier retranchement que nous allons communiquer là. Mais ça m'a dit nous, c'est que la police là a travaillé, moi-même ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça déjà exprimé volonté nous pour nous et adresser problème insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, c'est pas seulement en dimension criminelle les gains. Les gains en dimension politique tout. Ou à comprendre coïncidence qui existait entre bien relation qui existait entre les nous pral tomber dans 7 février 2021 avec masse kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société a qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique parce que nous allons organiser l'élection. Nous ne connaissons pas gain aucune possibilité à travers les élections pour nous prendre pouvoir parce que c'est ça au besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, les fondamentales. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, au niveau police nationale, au niveau CSPN, de bons gens d'intelligence. Et n'a travail n'a privé certainement sous moun sa yo qui yo même utilisé kidnapping là comme zam pour yo eh ben abouti avec on ta capable di yon objectif politique qui visait à
fait président démissionner, soit un an avant et la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental et pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-président, toujours fait là, les lancer et dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile moun déjà acteur politique ou bien protagoniste qui mettait d'accord sous principe dialogue là, parce que faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça nous souhaite parler là, référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là pour nous capable renouveler personnel politique là. Donc là qu'on y a seulement retenu la question nous, puisque là gen CSPN nan qui accompagne et reste CSPN nan gen des questions qui probablement c'est ministre justice là ou bien directeur et police nationale là ou bien ministre intérieur et la trier qui capable et adresser ou bien répondre. Merci. Bonne opportunité pour répondre à la question, dernière question sous cas, dernier cas de libération d'otage que la police a fait hier soir. M'a profité saluer bon la pression qui est avec nous dans la première conférence de presse sur le gouvernement Joseph Moïse. Et m'a dit tout d'abord, nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police là toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire quantité de cas dans les vasaïos pour que nous connaissions enlèvement qui tapis appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, ça, la police là, a agi sur trois niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmenter la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping yo fait yo. Renforcement capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là d'engin lourd, parce qu'il y a des cas faut qu'on fait pénétration dans zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police de monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de rapprocher nous de lieu de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de nous, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction du renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sur bandits, compiler informations, faire interview, debriefing à monde qui malheureusement qui était enlevé, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter informations pour monter et opérations dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petit lit qui était dans la main des bandits, l'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action par an, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par an. À partir de travail, nous identifier côté, alors, bandits qui fait Zaglan. Et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. 45, c'est la défaite. Les unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police, là, nous montons opération. Heureusement, nous libérons Mounio, c'est les sauf. Nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé. Bon, l'autre qui est à cavale. Et la police a beaucoup cherché activement. Nous avons trois autres questions, nous allons prendre. Métropole.
Amélie Baron, Kiskeya. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole. Bonjour, merci, c'est Elange Mainforme, travail pour Adjac Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui faites depuis février, à date. Et honnêtement, on peut sortir avec nouveau là, par rapport à ça qu'on dit déjà. Juste vous dire, nous, quelque chose de nouveau. Dis-nous, voilà, qui est nouveau. Moi, vous fais ça. Pour le directeur général de la police nationale, de février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils ont libéré soit contre rançon, soit suivant les bons offices, souvelés des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police pas jamais paraît efficace sans ça, qui ça explique ça tout? Et puis, qui ça la police connaît de l'homme mort Kerbi Giffrard? Et au final, monsieur le directeur général, opération Peneya là, est-ce que la police terminée pour contre lui? Merci. Merci, Métropole. Pour question ça, qui ça qui nous vaut? Alors, dans le commencement, pas oublier que nous t'ai dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver à adresser de façon efficace problème insécurité. Mais ça, nous capable tout, c'est que nous avons peur bleue, la caille bandit, parce que nous connaissons que nous avons privé sur nous. N'a privé sous yo en deux dimensions. N'a privé sous bandit qui a fait opération yo, mais n'a privé sous éminence grise yo, sous monde qui pensait qu'il kidnapping yo, parce que bandit yo, yo gen des ramifications. Donc gen bon genre intelligence sous et un ensemble de bagages qui a fait dans le pays, particulièrement sur kidnapping. C'est pas sans raison Marion président dit gagner une motivation très forte et on était capable de politique de kidnapping là. Et je pense que ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui a suivi l'actualité en ABIA, ouais, corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans l'ABIA pour dire pour le président aller. Alors, l'important, c'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping là, mais kidnapping yo, politiquement, yo pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas les gens qui sont là où ils ont fait manifestation qui est derrière le kidnapping. Il faut qu'on clair sur ça. Mais la dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas documenté. Mais je dis à ça, je capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre Mounsayo hors d'état de nuire. Merci. Voilà, nous sommes le Premier ministre lui-même qui t'a parlé et avec tout un directeur général de la police qui c'est Léon Charles. Pareil problème même, m'a demandé nous quitter commenter en bas vidéo. Merci un peu avec tout le monde net, merci avec reporter nous qui était sous place, qui était qui suivre comment conférence a été passée et était voué vidéo nous pour nous être capable montrer population haïtienne comment va yoyer à dérouler dans le pays d'Haïti. Merci un peu avec tout le monde, pas oublier tout de Jésus-Christ proche. Bye bye.